Je crois que il est attentif et il est debout, surtout debout, c'est-à-dire prêt à se défendre. Les conditions de détention de Redouane Faïd, c'est quelqu'un qui vit seul en permanence, qui est fouillé à corps à plusieurs reprises dans une même journée, qui ne peut toucher personne parce que les parloirs sont notamment en plexi avec l'hygiaphone, pardonnez-moi. Donc c'est une inhumanité gigantesque.